Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Resident Evil 7. Je parle bien évidemment de l'épisode 3, j'espère que vous avez prévu un casque, des écouteurs, que vous êtes plongé dans le noir et que vous avez fermé vos volets, et bien évidemment que vous avez prévu de quoi boire et de quoi manger, histoire de se ravitailler tout simplement en cas de stress intense. Si tu te chies dessus, bon, hop, une petite chips, un petit coca, on passe à la suite, pas besoin de mettre pause. On est parti donc pour la suite de notre incroyable aventure. Souvenez-vous, on avait échappé au père Baker, en allant dans le souterrain. Qu'est-ce qui va se passer? Bah écoutez, j'en sais fichtrement rien, comme on dit dans le milieu des Bakers. L'heure du dîner. Ethan se réveille donc ligoté à une chaise, assis à la table d'une famille aussi mystérieuse que dérangée. Il parvient à se libérer de justesse, mais n'est pas tiré d'affaire pour autant. Allez! On est parti, j'ai toujours une blessure à l'œil, comme d'habitude, hein, pour ne pas changer. Donc, on était passé sous la maison, ce qui nous a amené à cette pièce. Le téléphone a sonné, c'était encore Zoé, hein, on ne sait pas vraiment qui c'est. Et cette porte était verrouillée, on l'a déverrouillée. Et nous revoici, encore et encore, dans le même endroit, avec rien de nouveau. J'ai très peur. Il n'y a plus la table. Ok, il n'y a plus la table. Tout est renversé, très bien. Ok, je sais pas du tout où faut aller. Ah si, si, je me souviens. Elle m'a dit d'aller à la porte d'entrée. Ok, on va y aller de ce pas. Hé, hey, par ici. Quoi? Oh, le délire, putain. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Hé, hey, vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Mais vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien. Je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Ah oui. Ok, on va aller au garage. Un couteau, c'est pas ouf. C'est pas ouf, je vais être honnête avec vous. Est-ce que je peux avec ça? Non. Par contre, il y a la caisse qui était fragile, souvenez-vous. Il y a des munitions de pistolet, mais putain! Mais donnez-moi un putain de pistolet! Oh putain. Désolé les gars, j'ai entendu quelque chose. Ah, au final, c'est même pas le jeu qui vous fait peur, c'est moi, je suis sûr. Mais là les gars, Ok, le ruban adhésif aussi. Fais pas le con, Ethan. Allez, écoute ça vite, putain. Voilà. Ça, c'est un homme, ça. Oh là là. Quelque chose me dit que ça va putain de partir en couille. C'est qui, ça? C'est le flic. Putain, hey, mais... on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous, alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Arrête-toi. Salope. Arrête-toi. Ferme-la. Ah. J'ai rien fait, monsieur l'agent. Ah. Oh putain, sa mère. Oh putain! Fuck that shit! Ok. Ok,
Calme-toi. Toi, tu te poses pour calme-toi, je t'ai dit. Oh non, je voulais pas. Pas gâcher une balle de Glock. Oh, fais pas le con, putain. Ok, on a des trucs. Clé de la voiture. Ouais, c'est pas ouf. Je dois l'arracher, je sais pas ce que je dois faire. Ah, j'allais dire, alors on est bloqué. Il s'avère que... Non, non, attends, doucement, petit, doucement. Me mets pas en colère. Ouais, bah là, t'es censé quand même déjà être en colère. Ouah ! Oh, putain ! Allez, ferme-la ! Monsieur ! Faites un effort, s'il vous plaît ! Écoutez, j'ai apprécié votre repas ! Ah ! Oh, putain ! Alors, fiston, on a plus de munitions ? Quoi ? C'est fait exprès, là ? J'ai un couteau ! J'ai un putain de couteau ! Hop, yo, y'a quelque chose là-dedans ? Allez ! Ok. Il est où ? Ah ! Ah ! Il est derrière moi ! Avoue que t'attends que ça ! Je m'en bats les couilles ! Mais non ! Que non ! C'est moi ! Ah ! Dégage ! Oh putain, regardez, il s'arrête ! Oh oui, la vache, t'arrives ! Je vais te commencer à tourner ! C'est quoi ce délire ? Mais non, carrément ! Oh putain ! Mais il rigole zéro dans le jeu ! Ah, c'est déchire, ça déchire ! Wow. Ah ! Allez ! Oh, allez, dégage. Oh, mais ça a plus de ouf. C'est le meilleur combat dans un garage de ma vie. Vous êtes mort, monsieur ? Oh, putain, je peux rien faire de mieux ? Ah ouais, mais non. Oh, la vache ! Regarde-moi le bordel que t'as foutu. Arrête ! Arrête ! C'est fini, tu sais. Ah ! On sait jamais. Oh la vache ! On sait jamais si c'est scripté ou pas, c'est terrible. On sait jamais si je devais me faire enculer ou... Ah mais là je suis pas bien les gars. Là, faut m'aider. Ok, c'est bon. Ah, je me sens beaucoup mieux. Ok, on va monter là-haut. On peut pas ? Si. Oh, je t'ai entendu. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain ! Ah ouais, c'était pas mal, par contre. C'était assez classe. Ok. Bon, de toute évidence, je sais pas comment je vais réussir à les tuer. Mais il peut pas mourir comme ça. Ok, on a ça, on va le déplacer. Oh la vache! C'était le meilleur combat que j'ai eu de ma vie dans un putain de garage de 15 mètres carrés, quoi. J'ai été américain, peut-être un peu plus. Ah, il manque quelque chose, là, non? Examiner de près. Ah, yes. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ok. J'ai récupéré donc la statuette. J'ai une statuette de taureau. Ah putain, oui, d'accord, ok, c'était pour sortir du garage. J'aurais peut-être dû fouiller l'intégralité du garage, non ? Il n'y a pas moyen que... Aïe, 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 aïe. J'ai 9 balles de pistolet. On n'est pas méga ouf. Je vais être honnête avec vous. Le flic s'est fait découper la gueule. Ok, bougez pas. Ok, je me suis refait une nouvelle plante. Ça, c'est quoi ? Clé de voiture ? Impossible d'utiliser ça ici. Ça me paraissait assez logique. Ok, bougez pas, on va faire un tour de l'inventaire. J'ai une pièce antique. Une vieille pièce commémorative. J'ai une statuette métallique ayant la forme d'un taureau sans tête. Jusqu'ici, c'est compris. Écrochet permettant de crocheter des serrures simples. Se casse facilement. Et ben voilà. Ok, du premier soin. As du crochetage. Pas mal ça, les gars.
Et il y avait autre chose par ici. Est-ce que par hasard, avec la queue du taureau... Ah, dommage. Je pensais qu'avec la queue du taureau, on pouvait faire une sorte de balancier. Bon, les gars, je suis parti en couille. Je vous avoue, hein, faites pas attention. Bon, on continue, les mecs. Et il m'a absorbé mon âme et ma salive, quoi, le gars. Sérieux, là. Le père Baker. Qu'est-ce qu'on a là, déjà? Je me souviens plus. Ah oui, c'était les factures. Ok, ça, je m'en souviens. Il n'y avait pas autre chose. Ok, ça, on peut l'ouvrir. J'ai bien envie de repasser en bas. On va repasser en bas. Non. Ah! Monsieur. C'est qui marche? J'entends marcher dehors. Mais putain, mais c'est terrible! Ok. Oh la vache! C'est tellement impressionnant à quel point il joue sur les bruits et tout ce qui s'ensuit. Par contre, va chercher ta tondeuse là-dedans, toi. Ok. On continue. J'aimerais bien trouver des produits chimiques, des quelque chose de cool. Là, il n'y a personne. Je voulais retourner dans cette pièce, voilà, parce que je sais pas trop ce qui m'attend. Vas-y, frérot. Ok, déjà, on va sauvegarder. On va sauvegarder calmement, les gars. Waouh. Je sais pas du tout, je vous avoue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on est oppressé, on ne sait pas où aller. Et c'est ça, Resident Evil. C'est-à-dire que tu sais que t'as des énigmes, tu sais que t'as des outils en main, mais tu sais pas quoi en faire encore. Et on va savoir ça très bientôt. Là, il n'y a toujours rien là-dedans. Déjà, c'est pas mal, j'ai assimilé les combinaisons. Ah ouais, c'est quoi ça? De nouveaux objets ont été ajoutés. Boîte de fourniture et pièces antiques. Ça nous ferait donc... deux pièces antiques? On va la foutre là-bas. J'ai une pièce attaque. On dit que ces pièces agissent sur celui qui les porte. Et ça vous aide à vous sentir plus fort. Et une vieille pièce commémorative. Alors là, ok. Donc si je la porte dans mon inventaire, je serai beaucoup plus balèze. Une boîte offerte par Zoé. Elle contient des objets qui peuvent vous être utiles. D'accord. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire, je vous avoue. Et on a l'email de Mia. Et le permis de conduire. Jusqu'ici, c'est compris. Écoutez, on va regarder si je peux en faire quelque chose. Utiliser, examiner. On va examiner? Il y a de la poudre à canon, munitions de pistolet et munitions améliorées. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, faut que je l'utilise, je suppose. Oh ouais, bébé! Ok. Alors, poudre à canon. Une poudre pouvant être mise dans des cartouches. Combinez-la avec du fluide chimique pour créer des munitions de pistolet. Et là, on a des munitions de pistolet supplémentaires et des munitions améliorées. D'accord. L2 plus triangle pour changer de munition. Oh là 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 là. Ça paraît un petit peu compliqué. Est-ce que ça, c'est le truc de mon pack? Parce que vous savez, j'avais un pack, si jamais. Vous savez quoi? Pour le moment, on va le mettre dedans. J'avais un pack de préco du jeu qui m'offrait des munitions. Oh, j'ai eu tellement peur. Elles sentent horriblement mauvais. Tout va bien. Tout va bien. Vous savez quoi? On va encore sauvegarder au cas où. Les gars, je suis désolé, on sauvegarde pas mal de... C'est Resident Evil, hein. Vous savez que j'aime sauvegarder à peu près toutes les deux minutes. Histoire que si je meurs, je n'ai pas à refaire tout ça, hein, qui n'était pas, voilà, qui est pas super agréable. Après, en soi, j'ai ouvert qu'une boîte, hein, on va pas faire les requins non plus. Ok, allez, on est reparti dehors. Et je suppose que faut que j'aille par là. Je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Ok. Je l'ai déjà vu. Ah, la tête de lion. On va le mettre par ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir ou pas? C'est intéressant, ça. Yes, bébé. Oh, la vache. Oh, putain. Oh, my God. Oh, le hall d'entrée. Une pièce antique, mais c'est terrible. À quoi peut-elle bien servir?
Une pièce commémorative. Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir acheter des trucs avec... Je décroche pas. Ok, là, il y a trois têtes. Il manque trois têtes. Je vais décrocher tout à l'heure, les gars. Je suis désolé de vous mettre dans ce stress. Je préfère fouiller avant. Ok, c'est fermé. Pendule d'horloge. Je vais pouvoir le changer de place. Oh, putain! Plus de 20 disparus en 2 ans. Le capitaine O'Will de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Helen McKeith, une étudiante originaire de Caroline du Nord, en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des 2 dernières années. Jusqu'ici, vous l'aurez compris, c'est la merde totale. On continue aujourd'hui... On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes et des personnes errantes. La police qui privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents accidents compte intensifier les enquêtes de voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. C'est signé Alissa. Ok, on a ici un projecteur. Il y aura une énigme à faire là-dessus. C'est une évidence. Oh, j'ai mis Waza! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Je peux que pivoter. Il n'a pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas compris. Oh putain, j'ai peur. J'ai pas trop compris. On va décrocher. Alors, bien essayé. D'accord. Le tableau intitulé « Le chasseur des cieux » représente un chien qui regarde en l'air et aboie. Très bien. Très beau tableau en tout cas. J'apprécie. J'apprécie grandement. Putain, l'ambiance ici, les gars. Oh my god. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. Ok. Je pensais que ça allait faire quelque chose. Il est partout. D'accord. Je pense qu'il parle du père Baker. Bon, bah c'est bien. On décroche. Zoé, dis-moi tout. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Alors, ça me rappelle énormément quelque chose. Ça me rappelle le film Le Collectionneur. N'hésitez pas à aller voir. En fait, c'est un film où c'est un mec qui va cambrioler et tuer des gens. Et pour cela, il va dans la demeure des gens qu'il souhaite tuer. J'ai eu très peur, voilà. Il va dans la demeure des gens qui souhaitent tuer et la remplit de pièges. Il n'y avait pas cette herbe? Ah si, putain, c'est un bouquet, j'ai eu peur. Ok, je vais le poser tout là-haut. Non, c'était pas là. C'était là-bas. Déjà, je vais changer la pendule. Ou le pendule, je crois qu'on dit le pendule. C'est quoi ce délire? Ok, ça nous donne une tête. Donc déjà une pièce sur 3. Ça fait tellement peur. On va sauvegarder. On va sauvegarder, putain. Waouh. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir grand danger, mais enfin... Quand même, showtime. Showtime, comme on dit dans le milieu. J'ai que 8 munitions de pistolet. On va pas commencer à tergiverser, les gars. Il faut que je trouve beaucoup plus de produits chimiques, par contre. Et comment on va faire? Ah, il manque des produits chimiques. Hein. Munitions de pistolet, ah, ça les fait 10 par 10, c'est plutôt propre. Ok, il manque des produits chimiques, on verra ce qui m'attend plus tard. Bon. Bah, c'est plutôt cool. Plutôt cool qu'on ait déjà une pièce. Putain, mais regardez ces tableaux, quoi. Super classe. A noter que jusqu'ici, on ne peut pas voir notre reflet.
C'est quand même dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, il y a quoi dans le débarras? Yes, fluide chimique. Alors, là, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi fabriquer. De l'herbe ou des munitions. Ça, c'est terrible. Et vu que ça ne met pas pause au jeu... Oh là là, putain, mais... Ah oui, en plus, j'ai un inventaire totalement plein. Alors, c'est quoi cette énigme, là? Ah, je peux mettre n'importe quoi, en fait. Ok. Ouais. D'accord, je peux mettre n'importe quoi. Alors, je suppose qu'il faut que je mette un aigle. Un aigle royal de mes couilles au bord de l'eau. D'accord. J'ai de la poudre à canon et produits chimiques. Ok. Vous savez quoi? Pour se débarrasser, on va faire des munitions. On va reload et c'est parti, on continue. Oh! Oh bébé! Oh bébé! Tu m'as pas parlé de ça! Ah, ça me nique une... Aïe! Ah, ça me nique une place! Ok. Donc si je prends le fusil... Alors qu'est-ce que je peux mettre à la place du fusil? Ça c'est intéressant. Ça ne tient pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Un bâton peut-être, non? Je peux sûrement mettre une sorte de bâton, quelque chose. Quelque chose que je ne possède pas à l'heure actuelle. Donc on va le remettre calmement en place. Ok, c'est dommage. J'ai kiffé l'espace de quelques secondes, je vous avoue. Ok. C'est parti, on monte. Oh là là, c'est grand chez eux. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, madame? Je peux pas lui tirer dessus. Apparemment, je ne veux pas tuer d'innocents. Oh my god. Oh my god. Putain, la vieille, elle est partout, hein. C'est chaud, hein. Ok. Les gars, je regarde toutes les portes avant, hein. On va pas... Ouais, c'est ma femme, ça, je crois, non? Evelyne, 2 mai 2014. Non, c'est pas ma femme. Je me suis gouré de femme. Je sais plus comment elle s'appelle, ma femme. Ok. Ça, c'est pour aller dehors. Ça, c'est pour aller dehors. Je sais toujours pas à quoi servent ces putains de pièces. C'est terrible. Ok. Bon, on n'a pas le choix, les gars. On est obligé d'aller par ici. Donc, on va y aller sans aucun putain de souci. Et j'aime pas du tout ça. Mais nous n'avons pas le choix. Toujours plus grand, plus loin, plus vite. Ok, donc on a la chambre de grand-mère. On a une... C'est qui parle? Ok, on sait qu'elle est dehors, très bien qu'elle y reste. Ok, ici c'est fermé. Oh là là, putain, mais rentrer comme ça, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Y'a rien qui passe, j'ai des pièces, qu'est-ce que c'est? Vire Dual, ce connard d'Ipi qu'on a attrapé et fous-le dans une zone de traitement. Marguerite. Ah, Marguerite, même vraiment pas, en fait. Ok, il y a de quoi lire des cassettes. Et il y a une cassette. Mia. Ok. Je prends... un grimoire. Oh. Ok, j'en ai deux. J'en ai deux et j'ai plus de place. Ok. On dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. Le 2 octobre, le 9 octobre,
L'eau s'est enfin retirée. La maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avertir la paroisse. D'accord, ils étaient donc, je suppose, croyants, non? Écoutez, je reste avec le couteau. Y a rien. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Vire du hall ce connard. Bon, bah ça, j'ai l'impression d'être. Oh putain, y a un fusil de l'autre côté. Mais merde! Combien de fusils là-dedans? C'est terrible! Vous savez quoi? On va se débarrasser des têtes. Je vais les poser en bas. Au moins, ça sera fait. Je fais pas mal d'aller-retour. Hein. C'est ça aussi, hein, Resident Evil, les gars. Faut faire les choses proprement. Ok! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est où? Elle est où, mon autre pièce? Clé de voiture. La clé de voiture, elle a dû tomber lorsque vous vous êtes fait attaquer dans le grenier. Ça, je l'ai pu. Tête de chien blanc. Ok. Oh putain, c'est un ventilateur. Petit moment de frisson. Je m'équipe du pistolet. Ok. Putain, je peux pas tirer sur la grand-mère, hein. C'est terrible, hein. Je vous avoue que je veux l'arracher, moi. Ok, retourne par là-haut. Retournons là où on en était. Donc, une VHS, c'est parti! Lecture de la VHS, elle va sûrement nous apprendre un endroit, une cachette, un bouton, je ne sais pas. Une réponse à une énigme. Ethan, please watch this. Regarde ça. Donc, c'est de Mia. Ancienne maison. Ok. Bah vas-y, écoute Mia, t'as commencé la bande à combien de minutes là? Parce que on n'est pas bien. Je dois faire quelque chose? Mia? C'est un temps de chargement, Mia, là. Mia, t'as glissé un temps de chargement dans la VHS. Tu sais que ça me plaît pas beaucoup, ces histoires-là. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà! Nous étions très inquiets, jeune fille. Oh putain, j'ai vu une vidéo. Je peux pas la laisser m'attraper à nouveau. J'ai vu une vidéo de ça, ça s'appelait Lanterne. Et dans la vidéo, il traçait. Il allait par là. Par ici, maman. Quoi? Quoi? C'est quoi cette partie de la maison, cousin? J'ai peur. Je suis vraiment lasse et fatiguée. Putain, j'ai vu exactement ce pachaz. Ce passage, je bégaye. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu fais subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Ok. Cette maison a vu plus que tu ne peux l'imaginer. Et ensuite dans la vidéo, elle a été là. Oui, j'ai triché. Tu ne comprends pas. Et ensuite, elle a fait exactement ça. Merci la bande-annonce qui m'a permis de faire une VHS. Je sais ce que vous faites avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan?
Non, ne viens pas par ici. Adieu. C'est pas vrai. Je dois me casser? Non, c'est bon. Je suis mort? Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Qu'est-ce que je dois faire? Nous t'ouvrons notre maison! Nous t'ouvrons nos cœurs! Et toi, que fais-tu? Ok. Est-ce que je peux le prendre, ça, putain? On dirait un lance-flamme, un petit lance-flamme. Je sais pas par où je dois partir, hein, je vous avoue. Ah oui, alors là, faut que j'arrive à reproduire une araignée, gros. Attends. Oh putain. Mec. Ah. Ah, dommage. Oh, dommage. Je crois que c'est comme ça. Plutôt comme ça, ouais. Ok. On est bon? Ok, on est bon. Waouh! Bon, on y va, hein. De toute façon, je peux rien ramasser. Oh là, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe, le mec? Je sais plus où j'habite. Ok, on n'a pas le choix. De toute façon, on peut rien ramasser. Oh putain, je vais assister à quelque chose d'incroyable, je suppose. Vache. Si elle est à l'autre bout, les gars, c'est une arnaque. J'ai peur. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, reste ici, petite sotte. Ah wow. Tu as été vilaine. You fail. Ok. D'accord. Wow. Bon bah c'est des trucs, pour le savoir, faut recommencer, je suppose, plusieurs fois. Échapper à Marguerite. Cachez-vous derrière les éléments du décor pour éviter Marguerite. Oui, bon, j'ai bien compris. Ok, on la refait, je sais pas où ils vont nous remettre. Oh, très bien. J'apprécie. Elle t'aime. Okay, elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Oh putain. Nous t'aimons. Ouvre les yeux. Accepte-nous. Faut partir, madame. Madame, vous êtes complètement dingue. C'est pas possible! Tu ne comprends rien! Et tu ne te rends même pas compte! Ah, on repart sur un tour, là? Tu crois que la petite Evie va continuer à pardonner tes conneries, garce? Non. Ah, j'en ai assez, ce petit jeu avec toi! Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Non.
Les gars, si je parle pas, c'est que je suis en stress total. Je me concentre. Non, mais tu vas pas revenir. Ok, c'est bon. Non. N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. Je crois qu'elle est derrière c'est moi. Sans vissue, jeune fille. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle a fermé. Ah! Il s'est rien passé, mais j'ai flippé. Parce qu'on voit rien. Où crois-tu aller comme ça? Voilà! Ethan! Ethan, je te prie, aide-moi! Ethan, Alice, Waouh! Ça a l'air sincère. Reine de l'infiltration. Ok. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Ok. Nous revoici dans la triste réalité. Je pense qu'on va aller sauvegarder rapidement avant de se chier dessus. Et puis, on reprendra là où on en était à l'épisode numéro 4, bien évidemment. Allez! Attendez, hein, parce que tout n'est pas... je suis pas encore arrivé à la sauvegarde en vie. Ok, ça devrait le faire. Je vous fais des bisous, les amis. Portez-vous bien. À très bientôt pour l'épisode 4. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À très vite, tout le monde. Ciao, ciao.